Toute la gloire, merci Hachem, Dieu des Hébreux, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour cette rencontre en cette date aujourd'hui du 18. J'ai dit 18 juillet 2019. Que ton nom soit béni. Merci pour cet entretien. Ta parole, la prédication, les actions qui vont suivre, soient orientées, conduites par toi, même du divin. Merci de te manifester. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux d'être avec vous. Et que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes aujourd'hui à cette date aujourd'hui du 18 autant que moi, 18 juillet 2019. Voilà, depuis la France, je communique avec vous. Voilà, voici un peu ce que la technologie peut faire. Au 21e siècle, on peut être loin et puis parler avec vous. C'est comme on était à Dibo. Voilà, je suis le prophète Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Que Dieu bénisse, que Dieu soit loué. Amen. Voici ce que la technologie peut faire aujourd'hui. On peut quitter Paris pour prendre un vol de 6 heures, ça fait 6 heures de vol. Paris, Charles de Gaulle, Félix-Yeboigny. Mais vous autres, les Africains, là, vous avez les Air Guinéois. Vous êtes ceux là, sur Air Valais. Votre seul objectif, c'est de venir manger et gâter. Et Tofla, c'est pour quitter. Tofla, vous non, pour venir chier dans la maison de quelqu'un à Paris et retourner. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire de bon. Vous êtes les seuls encore dans votre air, sur les balais. Or, la technologie aujourd'hui, c'est les Air Bruxelles, Corsair, Air France, British Airways, les gens ils prennent leur avion, ils s'en vont tranquillement. Alors, donc, j'ai béni le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui tout est poussé avec la technologie. On peut, n'est-ce pas, via Internet, échanger avec vous par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je pense que sans quête de délivrance que vous êtes tous là, vous cherchez quelque part une solution de la part du Seigneur. Voilà, pour vous dire, si vous êtes venu à cause de quelqu'un dans ce centre, vous êtes détrompé, vous êtes trompé. Voilà. Si vous êtes venu pour chercher quelqu'un, ben vous trompez. Voilà. Alors, le centre là, c'est un centre de prière, un centre évangélique de prière, et puis un centre d'évangélisation. C'est vrai que Dieu m'a mis à la tête de ce centre. Depuis un moment de ma retraite spirituelle, le centre continue. Parce qu'il me s'est retiré un peu pour la prière. Ben, le centre continue de fonctionner pour que pour dire. C'est pas un lieu de, c'est pas une secte, c'est pas un lieu de cultisme, mais c'est un endroit d'évangélisation. Même si le prophète Crasso, excusez-moi, il est absent pour un temps, le Seigneur continue de œuvrer. Voilà, donc j'ai eu un bout de temps, alors je l'ai changé avec vous par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire, si vous venez, vous êtes là pour une personne, détrompez-vous. Ce centre-là a été mis sous inspiration afin de pouvoir évangéliser, aider les gens en difficulté. Voilà, chaque homme de Dieu a une onction particulière. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 4, 1 Corinthiens 12, le chapitre 4, on dit, il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères. Voilà. Et diversité d'opérations. On dit diversité d'opérations, de manière d'agir. Alors Dieu choisit les gens, il leur donne une onction, n'est-ce pas, en train de pouvoir, par leur canal, œuvrer et amener les personnes à lui. On vous dit, vous êtes là, le seul but, c'est que vous puissiez expérimenter Jésus. Et donc diront, mais pourquoi le prophète Crasso, il parle seulement que de la sorcellerie? Parce que c'est ce qui est à peu près, c'est la sorcellerie et l'actualité. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Avant moi, il existait la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quelque chose de très biblique. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu met l'accent là-dessus. La parole de Dieu parle de la sorcellerie. Donc, quelqu'un qui dit que la sorcellerie n'existe pas, premièrement, peut-être que lui-même est sorcier, il devient un avocat du diable parce qu'il défend le diable. Ou peut-être qu'il est ignorant. Et si on est dans l'ignorance, la sagesse a voulu que
qu'on se taise un peu et qu'on écoute ceux qui en savent quelque chose sur le sujet. La sorcellerie, c'est la chose qui existe. La sorcellerie, la définition de la sorcellerie, il est dit, celui qui lance un mauvais sort, sorcellerie, sort. Il y a le sort, celui qui lance un mauvais sort. Alors, les gens ont vu l'action, ça c'est en français. Dans ma langue, Bété, je dis Djula, Bété dit gougnon, gou, ça fait peur. Quand on dit gougnon, le gars même fuit. Un Bété qui dit gougnon, gou. Il fuit en même temps parce qu'il sait que le gars est dangereux. Il est parti. Ou même souvent, il est dangereux. Et si ça existe en français, ça existe en Bété, ça existe en Baoulé, ça c'est les langues ivoiriennes. Je crois qu'on a plus de 60 étudiants en Côte d'Ivoire. Et dans le monde entier, dans toutes les langues du monde entier, existe. Il n'y a pas une ethnie dans le monde où ce nom-là n'existe pas. Alors, la question est posée. Alors, pourquoi les gens donnent un nom? Parce que c'est quand on voit, quand Adam s'est levé, de se réveiller de son sommeil, qu'il a vu Ève, il dit, voici Ève. Les eaux de mes eaux, on l'appellera Ève. Donc, on ne donne pas un nom comme ça. Pour vous dire en un mot, tout ce qui est un nom existe. Amen. Amen. Tout ce qui est un nom existe. S'il y a la sorcellerie, ça veut dire que la sorcellerie existe bel et bien. Amen. Amen. On est d'accord là-dessus. Amen. Amen. On est d'accord là-dessus. Amen. Alors, le problème de sorcellerie, ça n'a rien à voir avec le problème de Crasso. Le prophète Crasso, non. Tu peux peut-être avoir un problème avec le prophète Crasso, tout ça. Tu peux ne pas aimer ma tête. Ça, c'est toi qui vois. Hein. Mais sorcellerie, là, c'est pas moi qui ai inventé. Ça existe, hein. C'est pas moi qui ai inventé. Moi, j'ai connu ça tout récemment. Je ne savais pas ce que ça existait. Quand j'ai été victime de ça, ben, je suis aussi rentré dans le combat comme chacun. Ben, là où je suis en Europe ici, les gens qui ont combattu plus la sorcellerie sont les Occidentaux ici. Même les Américains ont combattu la sorcellerie. Vous allez voir que dans l'histoire, allez faire des recherches sur Google. Vous allez demander, taper sur Google, recherche, la chasse aux sorcières, ils vont vous faire sortir des éléments où les gens, où l'inquisition, la chasse aux sorcières, où les gens chassaient les sorcières, on les attrapait, malheureusement, on les brûlait, on les tuait. 14, 15, 16, 17e siècle, 4 siècles, tuer les sorciers. Alors, ils vont commettre un siècle glorieux, et ça j'ai l'habitude de le dire, et tout le monde le sait, pour ceux qui sont allés à l'école, savent. Vous qui voulez encore, n'est-ce pas, faire des recherches, aller faire des recherches, le 18e siècle fut le siècle de lumière et de la révolution industrielle. C'est pour dire, les gens ont compris qu'à un moment donné, il y avait la présence des ténèbres, donc la présence de la sorcellerie, il y avait ce qu'on appelle le vampirisme. Donc tout ce que vous voyez à la télé, tout ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des choses que les gens imaginaient, ce sont des faits réels. Donc, les gens peut-être devaient démystifier la chose. Mais c'est quelque chose qui est réel. Amen. Amen. On peut me suivre, s'il vous plaît. Amen. On me suit ici, s'il vous plaît. Amen. Ce sont des faits. Ce sont des faits réels. Alors, la sorcellerie, les gens ont combattu la sorcellerie, que ce soit les Américains, que ce soit l'Occident, ont combattu la sorcellerie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils connaissent ce qu'on appelle l'émergence, ils connaissent ce qu'on appelle le développement, parce qu'ils ont essayé à leur manière, de leur manière, briser. Selon eux, mais en se basant sur les textes bibliques, en se basant sur les textes bibliques. Mais le problème de combat qu'ils menaient en ce moment-là, c'était vraiment barbare, c'est-à-dire qu'on tuait inhumain. On attrapait un sorcier, on le brûlait. Nous, on ne le fait pas aujourd'hui. Nous comprenons aujourd'hui qu'un sorcier, c'est celui qui est animé d'un esprit. Alors, animé d'un esprit méchant, qui est sous le contrôle d'un esprit méchant, et qui cause assez de dégâts dans les familles et dans les vies. Alors, il faut d'abord prier pour cette personne, délivrer cette personne, l'amener à la conversion. Eux n'auraient pas tout ce temps-là. Tu es sorcier? Oui. Vincent, tu es sorcier? Oui. Ou bien quoi? Ici, là, les noms sont bizarres. On les appelle les noms ici bizarres. Monsieur Poulet, Monsieur Corps, Monsieur Mouton, ils ont. Ils voient un nom d'un habitant. Monsieur Poulet, Monsieur Corps, tu es sorcier, oui. On t'attrape, on te brûle avec toute ta confrérie. Donc, ils sont allés de siècle en siècle. Vous savez qu'un siècle, ça fait 100 ans. Donc, 400 ans,
Ils ont éradiqué la sorcellerie. Ils ont connu ce qu'on appelle le siècle de lumière. Or, quand on parle de siècle de lumière, c'est qu'il y a eu siècle des ténèbres. Vous comprenez? Il y avait siècle des ténèbres. Donc, quand vous détruisez toute cette présence des ténèbres, vous rentrez naturellement dans la présence glorieuse que la lumière. Parce que c'est les ténèbres qui font défaut, qui empêchent la lumière de luire, n'est-ce pas, de briller. Alors, ils ont combattu la sorcellerie et tout ça. Donc, dans l'histoire, ils ont imposé ce qu'on appelle l'évangile. Ils ont imposé l'évangile. Ils sont venus avec la puissance de Dieu. Et ils ont commencé, n'est-ce pas, avec ce principe de la puissance de Dieu, à battre les lois, patati patata. Aujourd'hui, ils connaissent les choses. Mais quand vous regardez en réalité l'Occident, ici en Europe, où tout le monde veut venir, malheureusement, parce que les gens ils pensent que ici c'est bien et tout ça. C'est vrai, c'est beau à voir, mais c'est difficile. Pour le moment, c'est difficile. Voilà les gens. Or, la richesse est de l'Afrique. Amen. Amen. La richesse. Le sous-sol africain est riche. Le sous-sol africain, il est tellement riche que l'Afrique est un scandale géologique. Aujourd'hui, les Chinois, leur rêve, c'est de posséder l'Afrique. Ils ont commencé déjà à travailler avec les présidents africains, l'Occident, et là, on n'en parle pas, ils ont commencé déjà longtemps. Donc, ça, même l'Amérique, leur rêve, c'est de posséder l'Afrique. Parce que le sous-sol africain est riche. Il y a manganèse, il y a l'or, il y a le diamant, il y a toutes sortes de richesses. Je vous dis, la sorcellerie, pour moi, chacun fait des analyses, hein, pour moi, la sorcellerie, c'est ce qui cause selon moi, beaucoup de freinage, qui freine le développement africain. Pourquoi? Parce que chez nous, en Afrique, les gens, leur culture, ils ont cultivé la sorcellerie. À point que les gens pensent qu'aller chez un marabout, ce qui est fort, oui, dans un village, que quelqu'un sort, on a peur de lui. On a peur de lui et tout ça. Voilà. Et on adore les génies, on adore les trucs. Et puis, la sorcellerie, il faut avoir le pouvoir, il faut avoir le pouvoir pour régner. Et on ne peut même pas développer nos sous-régions. Et encore, la chose encore plus grave en Afrique, c'est aussi le manque d'éducation. C'est pour ça que je motive tout le monde, je vous encourage, vous qui m'écoutez, qui avez la possibilité d'aller à l'école, allez à l'école, poursuivre vos études. Parce que le monde de demain appartient aux gens intellectuels, le monde intellectuel appartient aux gens qui ont beaucoup de choses dans la tête. Si vous avez la possibilité d'aider vos enfants, ne négligez pas la chose. Amenez vos enfants à l'école parce que c'est important. Le monde de demain appartient aux gens qui sont intellectuels. Les Blancs, ils ont cultivé ça. Eux aussi, c'est une priorité. C'est obligatoire. Il faut amener les enfants. Malheureusement, chez nous, nous négligeons les choses élémentaires qui peuvent nous amener à faire avancer. Nous avons du cacao. Nous ne pouvons pas transformer notre matière première. C'est les autres qui peuvent transformer ça parce qu'on n'a aucune connaissance. On n'a aucune connaissance. C'est pour ça que je vous exhorte, au-delà de la spiritualité, il y a aussi la connaissance intellectuelle. Alors, donc, la connaissance, on n'a pas forcément besoin d'être en Europe pour réussir sa vie. C'est pour ça qu'il faut se battre, il faut investir, il faut croire en l'enfant, il faut croire ce qu'on fait, il faut investir massivement dans la vie d'un enfant pour que demain soit meilleur. Amen. Amen. Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Voilà, donc, j'étais en train d'expliquer pour dire. Voilà, donc je reviens sur la paix spirituelle. Peut-être qu'il intéresse tout le monde. Voilà. Mais l'aspect aussi physique, parce que la connaissance, n'est-ce pas, intellectuelle, elle aussi peut nous aider à avancer. Les Chinois, la plupart, ne croyaient pas trop en Jésus que nous croyons. Voilà. Mais ils sont en avance à cause de la connaissance. À cause de la connaissance. Voilà. Donc, pour vous dire, le problème aujourd'hui de l'Afrique, nous constatons que nous avons des présences dans nos vies. Nous avons peut-être des blocages. Ça peut être dû à une malédiction ancestrale. Parce que quand nous posons un acte aujourd'hui de la méchanceté, demain, nous payons ça. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères si les fils de la troisième à la quatrième génération. Quelle famille où il n'y a pas de sorcellerie en Afrique? Dites-moi, il y a quelle famille? Quelle famille où quelqu'un n'a pas tué la conquête des terres dans les villages, dans les villes, leur histoire, toute histoire, voilà, il y a toujours une histoire où les gens partaient prendre les terres, il y avait toujours des guerres,
il y avait aussi où les gens versaient le sang. Il y avait aussi les alliances diaboliques, quand vous allez réfléchir dans votre histoire. Donc, par moment, il y a cette malédiction qui découle, n'est-ce pas, si des générations, de la troisième génération. Donc, c'est tout ça là, n'est-ce pas, qui crée la présence de la sorcellerie. Mais regardez maintenant, la sorcellerie, c'est quoi? Comme je disais, c'est l'art de la nuisance et l'art de la destruction. La Bible, Jésus-Christ explique clairement ça. C'est après que Jésus ne dit pas sorcellerie, mais il dit dans Jean le chapitre 10, le verset 10. Amen. Amen. Vous qui avez la Bible là-bas, Jean le chapitre 10, le verset 10, Jésus, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient de la vie et qu'elle est en abondance. » Amen. Amen. Jésus explique clairement le rôle que joue. Et Jésus compare le diable comme un voleur. Amen. Amen. Jésus compare le diable comme un voleur. Il dit que le voleur, c'est-à-dire le diable, c'est un voleur. C'est-à-dire un usurpateur. Un voleur, il prend quelque chose qui ne lui appartient pas. On va bien saisir. Amen. Il va bien chiper ce qui ne lui appartient pas. Vous allez me dire, mais comment le diable peut venir voler? Le diable peut voler ton intelligence. Ils vont dire, mais prophète Crasso, choix, reviens sur terre, il faut raisonner. Où est l'intelligence? Et puis, quelqu'un veut venir prendre. Vous savez? Il y a ce qu'on appelle la destinée prophétique de quelqu'un et il y a ce qu'on appelle la destinée orientée. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Laisse-moi vous expliquer les deux aspects. Je vais vous expliquer la destinée. Dans la destinée, il y a ce qu'on appelle destination. C'est-à-dire que tu pars d'un point et tu arrives quelque part. Tu quittes Divo, tu es à Abidjan, tu sais que tu vas arriver à Abidjan. N'est-ce pas? Amen. Donc ta destination, c'est Abidjan. Si tu arrives à Tiasali, tu n'es pas encore à Abidjan. Amen. Ce n'est pas ta destinée. Mais tu es sur le chemin. C'est ce qu'on appelle la destin. Tu es sur le chemin. Alors, ta destinée, c'est Abidjan. Alors, donc, dans la destinée, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la destinée prophétique. Il y a ce qu'on appelle la destinée, quoi là, que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez bien retenu? Vous n'avez pas retenu? Amen. 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 Il y a une destinée prophétique et puis il y a une destinée qui a été organisée par les pères, c'est-à-dire orientée. Une destinée orientée. Amen. 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 Papa, il investit dans ta vie. Il te dit, je mets de l'argent dans ta vie, il faut que tu sois demain un instituteur. N'est-ce pas? Amen. Donc, il met tous les moyens. Ça, c'est une destinée orientée. Ça, on t'oriente. Et puis, à sa grande surprise, au lieu de devenir instituteur, tu deviens médecin. Ça veut dire que tu n'étais pas appelé naturellement à la médecine, à être instituteur. Allô, ça va? Amen. Amen. Tout à l'heure. Oui. Donc, et maintenant, la destinée orientée. Alors, donc, on dit, on te met l'argent, tu deviens un susciteur. Et puis, à ta grande surprise, tu deviens, à la grande surprise des parents, tu deviens un médecin. Donc, ça veut dire, il était appelé à être médecin. On a vu David. David était un berger. Son papa a fait de lui un berger. Le petit David, là, qui est devenu roi, n'est-ce pas? Amen. Il était berger. Quand Samuel partait dans la cour d'Isaïe par son père, il venait simplement pour choisir un roi. Alors son père, on l'avait envoyé comme un enfant pour surveiller les moutons. Il surveillait les moutons. C'est que c'est destiné orienté par les parents. Samuel regarde tout le monde et on lui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un? On dit oui. Ce petit, c'est un enfant, jeune homme. Amen. Amen. On m'attend? Amen. Le jeune homme, il est juste de l'autre côté. Il est juste de l'autre côté. On amène et on dit, c'est lui le roi. Vous comprenez? Amen. Donc, dans la famille, il a eu une destinée orientée par les parents qui étaient allés surveiller le mouton. À sa grande surprise, la destinée prophétique, c'est faire de ce berger, petit vaurien, excusez-moi pour l'expression, fait de lui un roi.
Alors, donc, il y a ce qu'on appelle la destinée orientée et la destinée prophétique. Et dans la destinée, il y a beaucoup de choses sur le chemin de la destinée. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Alors, dans le passage de Jésus dit, le voleur, donc ça veut dire que le voleur est le diable. Le diable est présenté comme un voleur. Le diable peut regarder qui tu peux être demain. La preuve, c'est que quand Jésus est né, ils ont vu son étoile. Amen. Amen. À cause de son étoile, parce que le diable, il a cette capacité de voir votre devenir. On dit, on a vu l'étoile. Vous voyez comment il est né? On dit, on a vu l'étoile du roi briller. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose que le prophète a inventé. Quand Jésus est né, on a su que l'étoile qui venait de briller, c'était le droit d'un roi. On vous dit, chacun d'entre nous a une destinée. Quand on est, on a une destinée. Mais regardez, Hérode. Hérode voulait éliminer l'enfant Jésus. Donc, imaginez-vous combien d'enfants, combien de personnes qui ont été éliminées à cause de leur étoile. Amen. Amen. Heureusement que Jésus-Christ, sa vie était entre la main. Sa vie était entre la main de Dieu. Alors, toi, tu peux avoir une destinée. Une destinée prophétique qui peut t'amener à une élévation, comme les gens qui sont arrivés dans l'esprit de méchanceté. Voyez la chose, ils peuvent t'éliminer. Il y a des enfants qu'on tue à bas âge à cause de leur destinée. Alors, je donnais l'exemple de David, n'est-ce pas, qui avait une destinée, n'est-ce pas, orientée par ses parents. Donc, il est devenu berger, ils l'ont forcé à être berger. Et puis, comme sa destinée était prophétique, un berger qui devient un roi. Vous comprenez? Alors, comment Jésus peut dire que le voleur. Comment? Est-ce que le diable, il est vraiment voleur, comme on voit les braqueurs, tout ça? Non, il parle de voir spirituel. Jésus naît, on voit son étoile. On dit, voici l'étoile d'un enfant. À cause de son étoile, les gens cherchaient à le tuer. La preuve, c'est que dans la Judée, les gens tuaient tous les enfants. Ils ont tué, pensant trouver Jésus de temps. Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous. Amen. Amen. Comme vous, notre destinée entre la main de Dieu, ceux pour lesquels nous sommes sur la terre, nous allons l'accomplir. Alors, Dieu va envoyer Jésus en Égypte pour le protéger. On vous dit combien de personnes aussi qui ont aussi eu une étoile et à cause de leur étoile qui ont été détruites par la sorcellerie. Et encore, beaucoup sont ceux qui ont été volés par la sorcellerie, qui ont été chippés de la sorcellerie. Donc, Jésus dit, dans Jean 10, le verset 10, il dit le voleur ne vient que pour voler. Sauf ça que le voleur, le diable a cette capacité de voler, n'est-ce pas, votre bénédiction. Il a cette capacité. Il peut voler ça. Il peut vous détruire ça. Encore, il dit, le voleur devient qui pour voler, égorger, il dit égorger. Encore, c'est grave. Ça veut dire égorger, ça veut dire tuer. Égorger, tuer. Le diable, il tue. Comme je vous disais à l'image de Jésus. Si on ne t'a pas volé, on te tue. Parce qu'on s'est dit, non, lui, il devient. Donc, il y a des gens qui ont été tués à cause de leur destinée. Donc, c'est ce qu'on appelle les crises spirituelles. La sorcellerie tue. Malheureusement, c'est ça. Il y a plein de crimes qui sont des crimes spirituels. Sauf cela que nous devons comprendre que la sorcellerie fait assez de désastres. Le diable tue beaucoup. La sorcellerie est plus grave que celui de Bola. Grave. Regardez un peu. La sorcellerie, c'est l'art de la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, c'est un sorcier. Amen. C'est un élément très important. Il y a eu Caïn et Abel. Les deux sont allés présenter leur offrande à Dieu. Et la sorcellerie, par moment, ne vient pas de quelque part d'autre. Ça vient de la famille. Et de ton entourage. Donc, Caïn et Abel présentent leur offrande. Et Caïn, comme l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu, Caïn décide de tuer son frère. Vous comprenez? Amen. Il a tué. Il a tué son frère par jalousie. Combien de personnes aujourd'hui sont foudroyées à cause de la jalousie? C'est ça que faites attention à l'endroit où vous marchez. Amen. Vos ennemis ne viendront pas d'ailleurs. Vos ennemis, non. Ce sont ceux qui vous connaissent le plus, qui vont plus vous attaquer. Judas était disciple. Mais l'ennemi traite. C'est lui qui a trahi Jésus. Amen. Donc la sorcellerie, c'est la jalousie. Et il cherche à vous nuire parce qu'il pense, lui, se dit que tu es plus supérieur. Le sorcier, c'est ça. Donc il faut le détruire. Il faut la détruire. Si vous voyez que quelqu'un s'acharne sur vous, il veut forcément vous nuire parce qu'il sait que vous allez réussir.
Parce qu'il sait que vous êtes mieux que lui. Parce qu'il sait, il le sait, il est convaincu. Encore la sorcellerie, c'est un sorcier, c'est quelqu'un qui est ingrat. Il ne reconnaît jamais. Tout ce que tu l'as fait, il ne va jamais reconnaître. Quand quelqu'un veut, il y a une conscience morte. Et puis la plupart du temps, c'est ceux que vous avez aidés là. Ce sont ceux-là qui sont à la base de vos problèmes. Amen. Vous les aidez aujourd'hui, c'est ceux eux qui cherchent à vous nuire. Amen. C'est comme un chien qui est malade, qui est enragé, vous le nourrissez, vous le soignez, et puis demain vous mort. Amen. C'est ça la sorcellerie. Amen. Ça y est, c'est un nœud, c'est plus fort que quand vous êtes avec lui, il vous convoite, c'est-à-dire qu'il vous convoite pour rien. Il convoite, il vous envie. Mon frère, chacun son étoile. Chacun son étoile. C'est pour ça que faites attention à votre entourage. Je ne vous dis pas que de ne pas avoir d'amis. Non, si on peut avoir des amis, mais faites attention. Faites attention à ceux avec qui vous vous confiez. Faites attention à ceux avec qui vous partagez vos trucs. Parce que c'est eux demain qui vont vous nuire. C'est eux qui seront à la barre de votre destruction. Amen. 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 L'ennemi ne veut pas nous. Il vient, il est toujours prêt. Il est toujours juste à côté. Et donc, on dit détruit, il égorge, il va vous égorger. Son souhait, quand vous voyez quelqu'un qui a qui n'est plus ingrat, quelqu'un a posé un nard dans ta vie. Moi, quelqu'un a posé un nard dans ma vie, avant même d'agir comme cette personne, j'ai d'abord réfléchi. On dit, ah, c'est vrai que la personne se comporte mal, mais une fois dans ma vie, quand j'avais des problèmes, la personne a fait quelque chose, n'est-ce pas? Alléluia. Même si tu penses que la personne s'est mal comportée envers toi, mais le fait qu'à un moment donné dans ta vie où tu n'avais plus quelqu'un de t'aider et cette personne t'a aidé, pour ça seulement, tu t'apaises, ce sont des quelqu'un qui est conscient et quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui n'a pas un esprit de sorcellerie. Donc celui qui a un esprit de sorcellerie, peu importe ce que tu as fait pour lui, mais un jour, il finira par te nuire. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est pour ça que faites attention à ceux que vous hébergez, faites attention à ceux qui sont autour de vous, parce que c'est eux qui sera la base de vos problèmes. Amen. La femme, les deux prostituées qui vivaient ensemble, une prostituée n'avait pas de maison, une autre vient la loger chez elle à la maison. Les deux, malheureusement, je ne dis pas malheureusement, heureusement, ils ont fait des enfants. Et ces enfants sont nés le même jour. Il y a une, comme elle a bibelé, vous connaissez les femmes tout autour, leur appel de bibelé, c'est moins cher. Elle a le bois bibelé, c'est bibelétisé la nuit. Belétiser la dormie. Les femmes toutou là, les tuyens, excusez-moi, hier, a fait des balais, c'est moins cher. Un lit, ça fait 500. C'est pas fait d'aller payer Johnny Walker, Johnny, il a fait 30 000, non. Elle est en train de balais. Elle s'est belétisée. Comme un enfant, il meurt étouffé, tu dors sur l'enfant jusqu'à il est mort. Ça veut dire que c'est un balais qui a fait ça. Si tu n'es pas saoulé, comment l'enfant, l'enfant qui a pleuré, un enfant qui veut de naître. C'est cuir, ça dérange même les voisins. Mais toi, tu peux dormir, c'est un enfant dort. Ça veut dire que les deux prostituées, elles étaient tous deux belettisées. Parce qu'une pouvait se réveiller, mais une qui a dormi, leur belet, les femmes qui tuent le tueur, leur a fait des belets. Elles ont du belet, elles sont belettisées, donc ils commencent à dormir. Dans le belet, là, c'est pour vous dire, vous que vous saoulez, vous que vous belettisez. Vous allez un jour dormir dans le caniveau, vos lèvres, ça va se casser en deux. Vous allez chier dans vos caleçons, c'est ça le balai. Balai, c'est dangereux. Amen. Vous voyez ça moins cher, ça donne sirop de foie. Ah non, c'est moins cher. On dit à Benjamin, là-bas, ça tue des gens. Donc, balai, là, c'est dangereux. Donc, son balai, tu sais. Et là-dedans, elle se réveille la nuit, elle voit que ça, l'enfant est mort. Regardez sa méchanceté. Regardez comment elle va remercier la personne. Elle troque l'enfant. Là, son enfant mort, elle le dépose près de sa camarade. Et puis elle prend la camarade, l'enfant de l'autre camarade. Et regardez, dans la sorcellerie, c'est dans la maison, dans la famille. Et amen. Elle se manifeste. Alléluia. Or, vous connaissez une femme. Elle n'a qu'à prendre Belay. Elle n'a qu'à prendre Guégui. Mais son affaire d'enfant, elle connaît. Même si elle est folle. Elle connaît l'enfant. Amen. Elle a regardé l'enfant. Elle dit, à moi. Vous connaissez les à moi, elles aiment prendre tabac et puis balai. Elle chute. Amen. Amen. À moi, son affaire de chiquer tabac.
Amen. Amen. Ton affaire de chiquer tabac. Hein? Tu vois, la vieille, elle se belletise. Donc, on demande. À moins, il y a quoi? Elle dit non, c'est ton enfant. Elle dit non, laissons un peu d'amusement. Pardon. Et elles ont discuté et ça allait devant le roi. Ça allait devant le roi Salomon. Il est obligé de prendre une épée pour trancher l'affaire. Regardez ce que la femme va dire. Elle dit cette femme. Elle n'a pas dit ma camarade, elle dit cette femme. Alléluia. Donc la sorcellerie, c'est l'esprit de l'ingratitude. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Cette fois-ci, il y a un problème. On dit cette femme. On reconnaît, elle ne reconnaît même pas. Elle ne reconnaît même pas. Elle dit cette femme. C'est cette femme. Oh, à moins, c'est cette femme aujourd'hui. Cette femme qui t'a hébergé, tu étais gendou dans la rue, tu balletisais, tu as fatigué. Elle t'a logé, elle est venue cette femme. Donc, les uns, vous voyez, la plupart des gens que vous avez aidés un jour, ce sont eux, par leur méchanceté, dans leur caractère. Vous comprenez que c'est la société. Parce qu'ils n'ont même plus de conscience, ils n'ont même plus que leur anime, ce qui les anime de détruire. La femme dit oui, quand vous voulez trancher, comme il y a un Dieu. Dieu l'a défendu, elle a eu son enfant. Amen. Amen. La sorcellerie, c'est là de la jalousie et l'ingratitude. Un sorcier, il est très ingrat. Il ne reconnaît jamais ce que vous l'avez fait. Il n'a jamais reconnu et la conscience mort. Pour agir dans la vie, il y a ce qu'on appelle le remords, la conscience qui te dit, ah non, un jour, cette femme t'a au moins aidé. Pour ça, il faut te taire. Ou bien ne faire rien. Ou bien le monsieur t'a une fois aidé. Pour ça, ne faire rien. Or, quand vous voyez qu'un homme vous attaque. Et quand vous l'avez une fois fait du bien dans la vie, peu importe ce que la personne fera un jour contre vous, mais un jour, Dieu tiendra compte de ça pour le juger. Amen. Comme un moment de votre vie, la personne a eu besoin de vous. C'est pour ça que quand David prie dans le psaume 35, il a dit à Dieu, « Oh Seigneur, quand j'étais malade, je couvais, ce sont la plainte, ce sont les invoquer Dieu. Même plein devant Dieu, il dit, Dieu, voici un moment donné la vie de ce monsieur. Moi, je l'ai aidé. Cette femme, je l'ai aidé. Regarde aujourd'hui, c'est ça. Regardez le psaume 35. Vous avez vu que David a connu ça. David a connu aussi la méchanceté. Amen. David aussi a connu l'ingratitude. Il a connu tout ça. Et c'est cela qu'à un moment donné, ne pensez pas que ce qui vous arrive, ou bien nous arrive, n'a pas été, n'est-ce pas, l'objet. Les gens ont connu ça. Tout le monde a connu. Et puis à un moment donné, David, Dieu l'a délivré. Il dit, délivre-moi. Dieu l'a délivré. Donc, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Tu n'es pas obligé de détruire quelqu'un. Tu n'aimes pas quelque chose, mais tu te tais. Ou même tu as un bon esprit, tu pries pour cette personne. Tu n'es pas obligé d'aider. Mais quelqu'un qui pose un nom dans ta vie et que tu cherches à nuire à cette personne, ça veut dire que toi, il y a un esprit de destruction qui en toi. Alors, Jésus dit encore dans le livre, il dit, Luc, Jean 10, le verset 10, il dit, il détruit donc la destruction. Le diable, celui qui a un esprit, je ne sais pas comment les gens s'arrangent, mais ils veulent forcément te nuire. C'est-à-dire, il se dit, il faut que je l'élimine, je vais te détruire. Quand quelqu'un dit, je vais te détruire, ne pensez pas à autre chose. C'est un esprit du diable. Il y a des gens, eux, là, ils te disent, je vais te détruire, je vais te détruire. Ça ne doit pas être dans le langage d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il est plein de compassion. Un enfant de Dieu aide les gens. Un enfant de Dieu, s'il ne veut pas, il n'est pas la base de la destruction de quelqu'un. Parce que tout compte fait, le mal revient toujours à celui qui le fait. Amen. Si vous avez détruit quelqu'un, si vous avez participé à la destruction de la vie de quelqu'un, pensant bien faire, ça n'engage que vous. Pensant bien faire, vous allez payer ça. Les gens pensant tuer Jésus. Mais la malédiction est tombée sur Jérusalem, ici Israël. Le problème qu'ils connaissent aujourd'hui, Shalom Israël, le problème qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a des tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas payé aujourd'hui, demain tu en payeras ça. Tes enfants payeront ça. Amen. Les gens sont surpris que les choses leur arrivent. Mais le fait même que tu te réveilles un jour, il y a des gens même qui ne tombent pas parce qu'ils ont envie de détruire quelqu'un. Ils ne tombent pas. Il se réveille le matin, ce que tu as fait, ça dit ce que toi tu as fait, c'est ce qui m'intéresse.
Facebook est venu aujourd'hui là. C'est ce que tu fais sur Facebook. Chacun va regarder ce qu'on appelle cacher et regarder. Mais regarde qu'est-ce qu'il a fait hier. Malheureusement, toi, tu vois, tu. C'est pour ça que, par moment, soyez discret. Amen. 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 La discrétion, c'est important. Hein. Amen. C'est pas tout le monde, c'est pas tout les gens doivent savoir de vous. Soyez discret. Changer de construire une maison, tu es discret. Et c'est le succès, lui, celui qui fait bruit. C'est pour qui il a pris la maison là. Ah, je sais. On dit, ah, c'est pour lui là. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je te dis pourquoi. On a associé. C'est pas ma maison, je peux te dire. C'est si que je dis ou bien, ouais, ça se dit, c'est que je dis. Clairement, c'est ce que je dis ou bien. Ou bien, c'est ce que je dis. Je prends ma maison, et je vais te dire. Ce n'est pas une association. Je n'ai pas une société immobilière, non. Je prends ma maison. Ah, je pensais comme tu me disais des choses. Là, je te dis, puis tu as venu bloquer, tu as venu chier en société. Je ne te dis pas. Ton bouillon, là. Fais sur ça. Fais sur ta fesse. Amen. Amen. Fais sur ta fesse. Amen. Et les gens, quand tu leur dis le matin, le lendemain matin, tu vois caca d'un gars constipé. Gros comme ça, demain, la nouvelle maison. Gros. On appelle ça Pouni. Gros caca constipé. Toi, même quand tu vois caca, tu sais que non, c'est sociologique. C'est pas vrai, papa. Caca sec, constipé. C'est pour ça que la soupe. Vous venez faire sociologique. Donc, il y a des choses, la discrétion. Il y a la discrétion. Fermez ta première bouche. Et ça, c'est important. Parce qu'eux, ils veulent toujours savoir. Ils sont toujours à la recherche des informations pour détruire. Vous allez poser la question, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? C'est d'abord, la vraie raison, c'est d'abord accepter Dieu. Dieu dans sa vie, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Amen. Vous ne pouvez rien contre la sorcellerie si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Vous pouvez rien contre la sorcellerie. Amen. Parce que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir suprême. Le diable, il est très fort, il est puissant. Mais comme Dieu est tout puissant. Amen. Alors, si vous voulez être protégé, soyez en Christ. Amen. C'est lui qui peut vous protéger de cette peur. Amen. Et encore, de marcher selon la parole de Dieu. C'est pour cela que vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, qui êtes là ce matin, j'aimerais que vous vous leviez. Si tu veux accepter Jésus, lève-toi et je vais t'amener à accepter Jésus en avant de poursuivre le programme. Quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? Amen. Levez-vous. Vous répétez cette prière après moi. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Et Seigneur. Personnel. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. La personne que tu désires. Que je sois. Pardonne tous mes péchés, Seigneur Jésus. Et merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir que Dieu bénisse. Amen. Ceux qui sont sorciers et qui aimeraient laisser la sorcellerie. Ceux qui sont sorciers, qui veulent vraiment laisser la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est l'art de la nuisance. On peut avoir une sorcellerie et puis être difficile. Ça dit, on ne peut pas te délivrer tant que toi-même, tu ne décides pas d'abandonner. Parce que c'est ça, c'est une question de volonté. Il faut vouloir, il faut désirer, parce que la délivrance, ça se désire. Quels sont ceux qui veulent délivrer de la sorcellerie? La vie est là, bien. Non, je ne vais pas demander de donner cher. Hein. On se connaît, la vieille. Est-ce que c'est moi qui t'a dit de venir là-ici? Non. C'est moi-même qui est venu. Je ne vois pas bien son visage. Parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est des montages. Les gens, ils pensent que c'est des montages. Vous qui êtes dans la salle, on ne se connaît même pas. Je ne connais pas quelqu'un parmi vous. C'est vous qui venez, vous êtes venu à Divo parce que vous avez un besoin de sorcellerie. Voilà. Moi, j'ai décidé par la grâce de Dieu
en fonction de mon temps, mon planning, oui. j'ai décidé de parler avec vous. Oui. Voilà, donc, comment tu es venu à Divo? On se connaît? On se connaît pas. On ne se connaissait pas. Comment tu es venu à Divo? Je suis venu à Divo pour ma libération. Qu'est-ce que tu as? Je suis sorcière. Qui est venu avec toi? C'est ma fille. Elle est où? Elle est là. Elle n'est pas venue. Je suis là, papa. Ça va, je ne te vois pas bien tous un peu. C'est ta maman? Oui, papa. Comment vous êtes arrivé à Divo? Parce que les gens ils pensent que c'est des montages, souvent les gens rencontrent des conneries qui ne sont pas vraies. Comment vous êtes arrivé à Divo? Bon, je suis arrivé à Divo par information sur YouTube. C'est sur YouTube, oui. j'ai vu les vidéos de délivrance, oui. tout ça. Donc c'est en cela que moi-même je suis arrivé ici pour ma délivrance. Parce que j'avais tellement de blocages dans ma vie. Donc, je dis, tiens, je vais arriver là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. C'est en cela que je suis arrivé ici. Donc, quand je suis arrivé, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance. Donc, au cours de ma délivrance, l'esprit qui était en moi, c'est elle son nom qui a été donné par l'esprit. Ah, d'accord. Donc, l'esprit qui était en toi se manifestait. Voilà. Et disait que c'était elle. Voilà. C'est en cela que tu as su que les sorcières. Voilà. C'est en cela que j'ai su. Tu l'as fait venir. Voilà, justement. D'accord. On va passer le micro. Allô? Est-ce que. Eh non, arrête-toi, arrête-toi. Est-ce que toi et moi, on se connaît? Non. Non, il n'est pas de ta fille. Non, papa. Mais oui, parce que les gens, ils pensent que souvent, on va vous acheter. Ce n'est pas des montages, ce sont des choses. Vous êtes libre. Vous êtes libre parce que chacun est libre. Ici, le centre, là, on ne force personne. C'est des gens qui viennent d'une manière volontaire, qui veulent se faire délivrer. OK. Tu attends, hein. Je parle à la vieille. D'accord, papa. D'accord, le micro à la vieille. Allô? Ça va? Oui, ça va. Ça va, papa? La maman, comment... oui, donc, vous êtes sorcière. Oui. Vous êtes quoi, juste? Je suis sorcière. Tu es sorcière comment? On tue les gens. Je tue les gens. Oui, je sais. Tu es sorcière comment? Depuis quand tu es sorcière? Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma maman. Ta maman? Oui. Comment elle t'a donné la sorcellerie? Elle était malade. Elle était malade et puis on m'a appelé, je suis partie là-bas. Quand je suis partie, elle était malade, je suis partie maintenant, deuxième mois, elle est en train de manger. Maintenant, quand elle a fini de manger, moi aussi, je n'ai pas fantasie, il n'y a plus le reste de manger là pour manger. Donc maintenant, après, elle est décédée. Après, elle est décédée, je suis venue chez mes enfants à Bigan. Maintenant, troisième mois, je suis reparti encore. Je suis parti maintenant. C'est à ce temps-là. C'est à sa petite sœur là. C'est eux qui m'ont donné ça la nuit. La nuit, ils sont venus me chercher pour aller sur le monde de la sorcellerie. Donc, on est parti là-bas. Ils m'ont donné sang de l'homme. Ils m'ont donné viande de l'homme. Et j'ai mangé. J'ai bu. C'est là maintenant, deux jours après, ils sont venus me dire de rembourser. De rembourser. J'ai remboursé leur crédit. C'est ça maintenant, moi aussi, j'ai donné mon premier fils. Il s'appelait comment? Il s'appelait Moïse. Moïse? Oui. Quoi Moïse? Loua Moïse. Ok, tu l'as donné? Oui. Tu es de quelle ethnie? Je suis guinéenne. Tu es guinéenne? Oui. Tu es de la forêt? Oui. Parce que Loua, là, c'est pour la forêt. C'est guinéenne? Oui. C'est Gazé, oui, papa. Aïe, parlez. Ah, c'est ça maintenant.
Ils m'ont dit de rembourser. C'est ça, j'ai donné mon fils. J'ai donné mon premier fils. Parce que vous, là, vous êtes sorciers, hein, vous, les forestiers. À côté, là-bas, il y a Zogota. Il y a un village qu'on appelle Zogota. Zogota. Zogota, le village de Foutichon. Bon, donc tu as donné ton fils. Oui. Là, Moïse. Mm-hmm. Tu as donné comment? Matin. Je suis parti la nuit. Il dormait. Donc, il était couché sur sa natte. C'est ça, je suis parti rentrer là-bas. Je l'ai appelé 3 fois par son nom. J'ai appelé Joseph. Moïse, 3 fois. Maintenant, j'ai pris son âme pour partir avec ça. Et tu l'as tué? Oui. Vous avez mangé? Oui. Ta fille, va t'asseoir. J'ai fini avec toi, non, tu vas revenir. Et vous avez mangé ça? Oui. Vous êtes combien dans votre confrérie? On est 12. Vous êtes 12 dans votre confrérie? Oui. Qui est la responsable de la confrérie? Qui est responsable? Qui gère la confrérie? C'est ma maman qui était la responsable. Mais maintenant qu'elle ne vit plus. Elle ne vit plus. C'est moi, ils m'ont donné. Ok, donc c'est toi qui es responsable. Oui. De la confrérie. Uh-huh. Parce que tu dis ta maman est morte d'abord. Oui. Uh-huh. Donc c'est toi, donc. Oui. Donc vous êtes 12, mais 11. Vous êtes toujours 12, c'est ça? Uh-huh. Et donc c'est toi qui es la responsable de la confrérie. Oui. D'accord. Donc quand tu as tué Moïse, uh-huh, vous avez tu mangé. Oui. Quand tu dis qu'ils t'ont demandé, ça veut dire que tu avais déjà mangé la viande? Oui. D'accord. Tu as tué qui encore? J'ai tué encore le deuxième. Et comment son nom? Lui, il s'appelait Joseph ou quelque chose. Nabi. Il s'appelait Nabi. Mm-hmm. Je suis partie aussi encore pour le... Quand il dormait, je suis rentrée dans la chambre, je l'ai appelé 3 fois. Nabi. Et puis j'ai pris son âme pour partir dans le monde de la sorcellerie. Et quand tu les tues, quand tu prends leur âme, oui, ils tombent pas malades? Si. Après, ils tombent malades. Après, ils tombent malades? Oui. Moïse est mort de quelle maladie? Il est paralysé. Il est mort de maux de ventre. Il est mort de maux de ventre. Et Nabi, il est mort de quoi? Il est mort de vomissement, même chose. Il vomissait. Et puis, qui encore tu as tué? J'ai tué ma petite maman. Hein? Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 5 personnes. Tu as tué 5 personnes? La troisième personne, c'est qui? C'est l'enfant de ma petite soeur. L'enfant s'appelait comment? Il s'appelait Mami. Comment tu l'as tué? Je suis parti même chose pour aller chez elle à la maison, pour aller rentrer dans la maison. Puis, je suis rentré maintenant, je l'ai appelé aussi 3 fois. Quand elle s'est levée, j'ai pris son âme pour partir. Et comment elle est morte ici? Elle est morte de maux d'oreille. Quoi? Maux d'oreille. Maux d'oreille? Oui. Et tu as gardé qui et qui? J'ai gardé ma première fille. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Martine. Elle est où? Elle est où? C'est elle qui parlait avec toi tout de suite là. Ah, c'est elle, Mathilde. Voilà. Oui. Mathilde, tu peux venir. Tu es la première fille de la vieille. Oui, papa. Ok. Qu'est-ce qu'elle a gardé dans la vie de Mathilde? Qu'est-ce que tu as gardé dans sa vie? Elle était chez le docteur. Infirmière. Où elle travaillait, elle est partie. Elle a fait son école, elle a fini. Maintenant, elle est partie. Elle travaillait. Maintenant, c'est dans son travail là où elle travaillait. Là, je suis partie là-bas. J'ai mis feu là-bas. J'ai brûlé tout. Comment tu as fait pour mettre feu? Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez ce qu'on appelle une destinée orientée. Vous comprenez?
Marty, vous voyez sa maman, Marty, a une destinée orientée. Elle va à l'école. Tu es allé à l'école, c'est ça, Marty? Oui, papa. Une formation pour sortir comme infirmière, c'est ça? Oui, papa. D'accord. Vous voyez, donc elle sort comme infirmière, elle commence à travailler. Tu as commencé à travailler, c'est ça? Oui, papa. Et comment ton travail a été gâté? Bon. C'est... Il y a une secrétaire qui était là-bas. Ils ont envoyé l'alcool pour tester. Elle voulait tester l'alcool. Donc, elle était dans son bureau. Il y avait les ordinateurs branchés. C'est en testant l'alcool que le feu est parti. Waouh! Mm. Elle teste l'alcool comment? Avec bon. L'allumette. Voilà. Elle fait tout un peu d'alcool. Et puis, elle teste. Où elle a testé là, il n'y avait rien autour. Il n'y avait pas de fil, mais le feu est parti tout d'un coup comme ça. Et la clinique a brûlé. Non, wow. Tout a brûlé dans la clinique. Rien n'est sorti. Tout l'immeuble complet. Vous voyez, comment vous voulez que nous arrêtons de combattre la sorcellerie? Comment vous pensez qu'on doit arrêter de combattre la sorcellerie? Et donc, c'est la vieille, c'est toi qui as fait ça? Oui. Comment tu t'es arrangé? Je suis parti là-bas un soir. Ce soir-là, quand ils ont mis les trucs là, je suis parti, j'ai regardé. Maintenant, la nuit, je suis parti là-bas, la nuit, pour mettre feu là-dedans. Et dans la journée, ça a pris feu. Tu as déjà organisé ça la nuit? Oui. My God. Vous voyez comment vous voulez qu'on arrête le phénomène de combat contre la sorcellerie. Et ta fille ne travaille pas, donc tu es contente. Tu es contente? Non, je ne suis pas contente. Mais comment tu peux aller gâcher la vie? Et qu'est-ce que tu fais maintenant, Mathilde? Bon, papa, je fais mon commerce. À la grâce de Dieu, j'ai deux magasins de produits cosmétiques. Et puis, j'ai un magasin de choses qu'on appelle boissons. Je vends les liqueurs en gros. Ok. C'est tout ce que tu as fait, si Mathilde? Non. Tu as fait quoi encore? J'ai gardé son argent. Comment? Je suis parti un matin pour aller là-bas pour me vendre dans son argent. Donc, quand gagne là, j'ai mis 20 dans son argent. Quand gagne l'argent, l'argent là, ça va. Ça reste pas avec elle. Bon, est-ce que c'est moi qui t'ai dit de dire tout ça? Non, jamais. C'est pas toi. C'est moi-même. Tu vois, peux me libérer. On se connaît même pas. Et donc, tu mets l'argent, tu mets le vent, c'est-à-dire qu'elle dépense, c'est ça? C'est ça. Elle fait des dépenses inutiles, c'est ça? Inutiles, oui. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre encore? C'est le seul enfant que tu as? Non, ils sont sept. Ils sont sept. Et tu as gâché la vie des sept, c'est ça? Oui. Tu avais déjà tué, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait aux ceux qui sont vivants de ça? La première, là, j'ai gâté son enfantement. Mais elle, c'est qui? C'est pas la première. Martine, là. Elle ne fait plus d'enfants? Non, elle n'a pas encore fait enfant. Elle a fait premier, mais maintenant, là, elle n'a pas encore fait enfant. C'est ça, Martine? Oui, papa. Tu as un enfant seulement? Oui, papa. Et tu n'as pas encore fait d'enfant? Non. Le premier à quel âge? Il a 19 ans, il est là. Ah oui, il est où? Mais si, il est là, toi. Le vaste. Il se régale? Ouais. Dans quelle classe? Le jour terminal. Ah, super. Tu fais quoi? Quelle série? Je fais la série A2. Ah, tu es littéraire, c'est ça? Ouais. Tu es beaucoup en philosophie, en français?
Je n'ai pas compris. Tu as beaucoup fait en philosophie et français, c'est ça? Non, histoire joue avec français. D'accord. Mais je t'encourage, je te motive à aller à l'école, d'accord? Ok. Voilà, il faut aller à l'école. Déjà, en terminale, quand tu es arrivé en terminale, c'est déjà très bon. Et je te motive déjà à aller très loin, d'accord? Ok, papa a compris. D'accord. Mathieu, tu vis avec qui? Bon, je suis mariée. Je vis avec mon époux. Tu es en quête d'enfant? Oui, papa. Avant la fin d'année, tu seras enceinte. Alléluia! Tu reviendras dans le mois de décembre en témoignage. Amen! 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 Le pouvoir de stérilité détruit sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen! Amen! Amen. Voilà. En décembre, tu viendras avant ton témoignage. Amen! 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 Ok. On poursuit avec la vieille. Oui, allô, papa. Oui, je t'écoute. Son argent est gâté avec son enfantement. Ça dit, je suis vraiment dépassé. Comment tu arrives à... Tu es comme des plus romans. Détruis un magasin, un truc, une clinique. Une clinique, détruis ça. Vous avez fini ça? C'est l'esprit. Hein? Je dis, c'est l'esprit, oh, papa. Mais l'esprit, là, vous ne maîtrisez pas ça. Vous ne maîtrisez pas. Mathieu, touche son ventre comme ça. Touche son ventre. Merci pour le miracle. C'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même dans sa vieillesse. Tu as donné un enfant à Anne. Je proclame la puissance de ton esprit dans la vie de Marty. Ta gloire se manifeste dans sa vie. Et toute forme de stérilité est brisée dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle de la fécondité s'installe dans ton ventre. La main puissante de Jésus-Christ se manifeste. Tout ce qui est gâché dans ta vie est détruit maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La main de Jésus te libère et cette gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Cette gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu se manifeste. Reçois le miracle. Reçois cette délivrance. La main de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois ce miracle de la fécondité. Et dans le nom puissant de Jésus, je proclame. Au nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Reçois ton miracle. Je guéris et libéré au nom de Jésus. Amen. Je poursuis, avec elle. Oui. Oui. La deuxième s'appelle Agnès. Oui. Agnès, elle est avec sa grande soeur maintenant. D'accord. Elle était avec moi, elle a pris grossesse. Le monsieur qui l'a pris grossesse avec lui, le monsieur ne s'est pas occupé de sa grossesse. Quand il ne s'est pas occupé de ça, donc, moi aussi, elle a accouché, le monsieur est venu à l'hôpital, il n'est plus venu. Donc, moi, je l'ai cherché. Je l'ai cherché, j'ai dit, parce que dépense que j'ai fait, je sais que toi, où tu es là, tu vas pas faire dépense là. J'ai trop souffert, donc les enfants vont rester dans ma main, il faut partir. Quand je lui ai parlé comme ça, la nuit, je suis partie chez lui à la maison, je l'ai chicoté jusqu'à il m'a dit, ah, il a dit que lui, il va partir. Il dit qu'il faut partir. Donc, depuis qu'il est. Alors, quand tu l'as chassé la nuit à sorcellerie, tu as le chicoté. Mmh. Il est bien chicoté maintenant. Après, il est parti. Il n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Les enfants, ils ont 6 ans aujourd'hui. Ce sont des jumeaux. Il y a Yohan et puis Yohana. Donc, le monsieur, il a fui. Non, il a fui, il est parti. Donc, la fille n'est pas mariée. Non. Et donc tu as rien comme ça, tu es content? Non, je ne suis pas content, papa. Je ne suis pas content, même. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Agnès. Agnès quoi? Loua Agnès. Je libère la vie de Loua Agnès. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Vous voyez comment le diable détruit un mariage, vous comprenez? Voilà. Il y avait un mariage et le diable détruit ça. Il peut détruire ta destinée maritale. Il peut détruire ça. Vous comprenez? Pour vous dire des choses que nous voyons pensant que c'est rien du tout et que c'est des choses de la vie, on finit par accepter ça comme ça, mais derrière, il peut y avoir une main occulte. Vous comprenez? C'est pour ça que nous autres, Dieu nous utilise pour dévoiler et dénoncer la sorcellerie. J'ai toujours dit, celui qui combat le prophète Crasso, surtout les yeux, quel Dieu, Dieu nous amène à faire. Celui qui combat le prophète Crasso est un sorcier. Ça, c'est bien clair, sorcier. Parce que ce que nous faisons, nous dénonçons, nous dévoilons les œuvres des ténèbres et nous détruisons les œuvres des ténèbres. Ça vous instruit tout ce qui se passe. Parce que la sorcellerie, c'est là de la nuisance. Regardez une mère. Écoutez, on n'accuse pas. Je ne suis pas venu l'accuser. Est-ce qu'on t'a accusé? Non. C'est pas toi qui les amis au moins? Oui. Mais pourquoi tu as la base de leurs problèmes? Arrivé au papa. Non, c'est une maman. Tu comprends? Oui. Ça veut dire que ta propre mère doit être la base de ton problème. Ce n'est pas une question d'accuser. Je n'accuse personne. Oui. Elle et moi, on ne se connaît pas. Mm-hmm. Je suis en France ici. Oui. Ils sont venus, vous êtes venus pour faire votre délivrance. Oui. Parlez pour la personne. Peut-être qu'il y a d'autres qui nous l'ont même vu. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous prendre pour prier avec vous parce que j'ai un bout de temps. Oui. Elle, oui. On ne se connaît même pas. Oui. Alors, donc, c'est la, c'est elle est la mère. Elle est la mère. Pour dire que ta maman peut être la mère de ta destination, ton père. Mais pour nous, ce n'est pas une fin en soi. On dit, je ne tue pas un sorcier, on délivre un sorcier. Si elle reconnaît qu'elle a pratiqué la sorcellerie, si elle reconnaît qu'elle a, elle a fait des aveux, Jésus-Christ l'a accepté qu'elle est, parce que la plupart du temps, Jésus n'est pas venu pour les mauvaises, les justes, il est venu pour les mauvaises personnes. C'est lui-même qui a inauguré le ciel là, le paradis là, le ciel là, c'est un brigand. Jésus dit aujourd'hui là, tu seras au paradis avec moi, c'est un brigand à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Donc, ce que vous dites, oh, personne n'est juste cette terre, tout le monde a besoin de Christ, peu importe, pourvu que tu reconnaisses, n'est-ce pas, tes péchés, tu les avoues et Jésus t'accepte. Et tu as détruit combien d'enfants? Deux enfants. Le troisième, là, lui, il est là, il est paralysé, il est là. Le garçon. Un troisième qui est paralysé. C'est un garçon aussi. C'est le dernier. Le dernier. Oui. Son nom? Paralysé, il est où? Il est à la maison. Il est à Abidjan. Ça fait combien d'années qu'il est paralysé? Ça fait un an. On va voir comment on peut l'amener pour qu'on puisse prier pour lui. D'accord. J'ai compris, papa. Il ne marche pas du tout. Il ne marche pas. Il va marcher. Comment tu l'as paralysé? Il est parti à l'école. Il est parti à l'école, je suis parti derrière lui, j'ai pris bois pour limer sur son dos. Et puis il est tombé, il ne s'est plus levé. Il partait à l'école. Et il est un. Et tu as pris un bois. Mm-hmm. Et tu as limé dans son dos. Oui. Pourquoi tu fais ça? C'est l'esprit, papa. C'est l'esprit du fait. C'est l'esprit. Il n'a pas fait. 9 mois dans ton ventre. Si, il a faim. Tu n'as pas souffert quand tu le mets au monde? Si. Mais pourquoi? Il est innocent, le petit. En plus, il va à l'école et puis toi, tu es de la mère et tu le détruis. C'est l'esprit, au papa. L'esprit. Dans l'esprit, là, quand il fait là, il ne se maîtrise pas. Wow. Je suis moi-même choqué, tu vois. Quelqu'un qui est en train de chercher son avenir, il va à l'école. C'est quelque chose qui est normal d'ailleurs. Et toi, tu l'assommes. Pourquoi cette sorcellerie est si est cruelle comme ça? Et tu l'as assommé, c'est ça? Oui. Vous voyez, vouloir mettre fin à cette œuvre, vouloir détruire cette œuvre-là, ça veut dire que. On est agent du diable. Parce que nous autres, nous ne sommes pas d'accord que la sorcellerie, nous ne tuons pas les sorciers, nous les délivrons. Mais nous sommes aussi contre les œuvres de la sorcellerie. Contre les œuvres de la sorcellerie. Et l'enfant, il a la maison. Oui. Et quand tu le vois, tu es contente? Non, je ne suis pas contente. Mais puisque c'est toi qui l'as informé.
Que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Tu as fait quoi encore? C'est ça, les autres, là, les filles. Là, là j'ai gâté leur mariage, j'ai gâté leur enfantement. Et j'ai fait pour eux. Et tu fais quoi encore dans la vie? Tu as fait quoi? Tu as fait quel gâchis encore? Je veux savoir. Bon, enfin, je suis. Elle m'a donné l'argent de partir en Guinée. Donc, ma fille, là, la grande Martine, oui. Elle m'a donné l'argent de partir au village. Pour aller, bah, de la manière qu'elle voyait la situation, façon, là, c'est ça, elle a dit, ah, maman, moi, je ne connais pas votre coutume. Toi, il faut partir. Tu vas aller demander, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on ne comprend pas. Il faut aller demander famille paternelle comme maternelle. Donc, ce qui est là, tu vas venir nous dire, parce que nous, on ne comprend plus rien. 2019, là, ça sera la fin de tout ce que nous suivons. Mais on doit, tu vas nous dire. Elle a dit. Oui. Que 2019, là, que ce soit la fin de votre problème. Un matin, ils sont venus à la maison avec sa soeur. Les quatre, là, sont venus à la maison. Les jours, là, je partais vendre poisson. Je suis sorti une lettre, je les ai vus. Tu vends belin. Poisson frais. Ah. Les poissons, je ne vends pas belin, c'est poisson. Donc, je suis sorti. Non, c'est pas belin. C'est poisson. Okay. Je partais vendre poisson là maintenant, je les ai vus sur la route. Tu connais ce qu'on appelle Belair? Je connais, mais je ne vois pas. Ah, c'est bon. Les vieux qui voient Belair là, elles mettent sucre de sel dans le sauce. À Dengua, tu as mis sucre dans son graine. Sa maman était saoulée d'aller dormir. Il dit, sa maman est saoulée. C'est un ami pasteur, stagiaire. On mange, j'ai pris un pour moi, j'ai flacalé sa graine. J'ai mis un coup dans la bouche, j'ai craché, j'ai dit, faut goûter. Encore, faut goûter. Quand l'ami a commencé à pleurer, il dit, sa maman l'a eu. Merci pour ce que Belé fait. Oui, allons-y. Cela maintenant, elle m'a donné l'argent de partir au village, d'aller demander parents paternels. C'est la liqueur. Bizarre du pays. Un liqueur, là. J'ai pas d'air, man. Bizarre. On fabrique un vin de palme. Quand tu bois ça, tu deviens autre chose. Allons-y. Oui, j'ai pas d'air vendre poisson un matin. C'était même vendredi matin. Elle m'a vu sur la route. Elle dit madame, tu t'en vas vendre poisson. On est venu à côté de toi. On veut te parler. Donc, je me suis retourné avec eux pour partir à la maison. Donc, ils m'ont parlé que, on veut te dire que cette année 2019, là, avant la fin de 2019, notre problème, tout n'a qu'à finir. Si ce n'est pas fini, c'est toi, on te connaît. Parce que dans ta famille, on ne connaît pas là-bas, mais c'est toi, on connaît. Donc, j'ai dit, d'accord, j'ai dit, j'ai compris. Mais ils sont tous nés en Côte d'Ivoire? Oui. Ah, ok. Donc, maintenant, elle m'a donné l'argent, elle m'a donné 100 000. Elle m'a donné 100 000 de partir. Donc, je suis partie au village. Je suis partie vers paternel. Paternel, ils m'ont dit qu'ils n'adorent rien, qu'ils n'adorent pas quelque chose. Que de partir vers maternel pour demander. J'ai insisté jusqu'à. Il y a un qui m'a dit vers ta maman, là, il faut partir demander là-bas. Que c'est là-bas, ton problème là sort. Donc, je... Non, mais... En fait, ce que je veux dire, oui. C'est que c'est toi qui étais à la base. Oui, oui. Ah, maintenant, pourquoi tu as pris l'argent par l'autre? Je vais parler en direct. Non, je suis parti. Parce que moi, j'étais à la base, mais je ne savais pas. Je suis parti là-bas maintenant. C'est là maintenant j'ai vu que vraiment ce qu'on dit là, c'est vrai. Non, je ne comprends pas. Oui. J'étais sorcier quand tu partais. Oui, oui, oui. Alors, mais pourquoi tu ne savais pas comment? J'étais ça pour partir. J'étais sorcière pour partir maintenant. Tu étais déjà sorcière quand tu partais. Oui. Maintenant, pourquoi tu es parti? Puisque toi-même, tu sais que tu es la base du problème des enfants. Et t'ont dit, il faudrait que cette année 2019, nos problèmes s'arrêtent. Tiens, va voir peut-être dans la famille paternelle maternelle. On veut savoir l'origine de nos problèmes. Sachant que c'est toi qui as la base des problèmes. Pourquoi tu prends la lettre et tu t'en vas? Ah!
C'est ça. Donne-moi la réponse. Oui, c'est ça vraiment qui m'a... comment dire, le diable m'a trompé vers là. Il t'a trompé comment? En disant faut partir, il faut partir, il faut partir. En disant qu'il faut partir, ça dit toi-même tu ne veux pas la libération des enfants. Hein? Oui. Je suis parti. Je suis venu. Hein? Et dit je suis parti et puis revenu. Je n'ai rien vu là-bas même, je suis revenu encore. Mais tu ne peux rien voir parce que c'est toi qui as le problème. Tu allais dépenser l'argent cadeau. En fait, c'est ça un peu mon problème. Tu allais dépenser l'argent, ça dit cadeau. Sachant que c'est toi qui as la base des problèmes des enfants. Pourquoi tu, n'as pas dit ouvertement que c'est toi qui es l'origine de leurs problèmes? À l'origine de leurs problèmes. Moi, je veux savoir des choses. Hein. C'est ça, après ça, je suis revenu et dit, mais j'ai pris l'argent là pour partir là. En tant que c'est moi-même là, j'ai parti faire quoi. Donc, je me suis retourné pour venir. Maintenant, la preuve, c'est que tu allais demander du côté paternel. Je suis parti demander, personne ne m'a répondu. Mais personne ne peut te répondre parce que c'est toi qui as la base. Il y a des questions que je me pose parce que je me dis. C'est quoi une méchanceté? Un moment, il faut quand même être quand même sérieux. Il faut quand même dire ce qu'on a fait. Tu prends l'argent, bien sûr, tu t'en vas. Mais pourtant, c'est pas sans que ce soit à la base, du coup, c'est le problème. Il fallait dire à mes filles, mais vraiment, je veux maintenant être libéré. Maintenant, regarde où ça t'a envoyé aujourd'hui. Elles ne sont pas baissées aussi les bras. C'est ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Les gens, ils ne viennent pas dans les centres parce qu'ils sont malades. Et parce qu'ils ont perdu la tête, non. C'est parce que les gens ont perdu la tête. Les gens ont compris que si on ne s'élève pas, à un moment donné de notre vie, si on ne s'élève pas pour faire la délivrance, il sera difficile que les choses se passent. Tu vois, elle n'a pas laissé. Hein. Elle est venue au centre pour prier et le Seigneur, dans sa grâce, il t'entend de la délivrer. On est sorti. C'est comme ça que tu as demandé de venir. Oui. Mais heureusement que tu as répondu. Oui. Bon, Dieu merci. Mais je vais savoir, on te donne 100 000 francs pour aller au village. Tu as les 100 000 francs. Et tu t'en vas au village, sachant que c'est toi qui as la base des problèmes des enfants. Qu'est-ce que tu me penses? Qu'est-ce que tu en penses? Avec toute cette méchanceté que tu as fait, toute cette méchanceté. D'abord, je te rassure que Jésus t'a pardonné. Amen. Si tu reconnais avant de confesser, Amen. Jésus t'a pardonné. Amen. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ et que tu marches avec lui. Amen. C'est ce que j'ai fait maintenant. J'ai fait ça. Tout le long de ma vie, j'ai servi Dieu. Il faut le servir. Oui. Tu peux prier avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Dieu t'a pardonné. Amen. Aujourd'hui. Amen. Son sang vient de te purifier. Amen. Et comme tu dis, c'est l'esprit qui fait. Ça veut dire qu'il est là. Oui. Il faut que l'esprit là quitte ta vie. Amen. Et que tu sois totalement libéré. Et que tu ne voyais pas tes filles là comme viande. Amen. Parce que Boukari vend viande au marché. Tu peux aller acheter Boukari viande. Amen. Toi-même qui vends poisson. Faut manger ça. Parce que Dieu des enfants, tu veux manger. Je suis choqué. Voilà, je ne veux plus revenir sur le passé.
un enfant, tu l'en... il faut que l'enfant la vienne comprendre pour lui. Amen. Et que Dieu opère un miracle. C'est pour vous dire, la création n'est pas l'auteur d'un miracle. Je ne peux pas faire un miracle, c'est pas moi qui fais le miracle. Quand vous venez au centre, c'est votre foi qui permet au Seigneur de vous guérir et de vous délivrer. Amen. Vous pouvez venir un semblant de foi, on peut prier pour vous, et puis la chose ne peut pas se produire. Comme on peut prier pour vous, puis Dieu peut agir. Nous prions, nous avons la foi, nous prions. Mais la chose qui est plus importante, c'est de croire et voir le résultat dans votre vie. Amen. La preuve, c'est quand vous venez, il y a un miracle. La preuve, c'est que la fille, cette fille, sans arriver au centre, elles ont demandé à Dieu d'agir. Donc Dieu les a orientées au centre. Quand il est venu déjà, il y avait un miracle. Parce qu'en entendant parler, il a commencé à entendre que Dieu a commencé à parler. Et à partir de ça, voilà, et la suite. C'est une suite, c'est une continuité. Donc c'est qu'elle a lancé comme défi pour dire au Seigneur, 2019, soit une année de délivrance, mais voici ce qui est en train de se produire. Dieu a formellement orienté les choses et Dieu est en train d'agir, effectivement. L'année 2019 est vraiment une année pour vous de délivrance. Amen. Et Dieu ne peut pas t'écarter de cette délivrance dans sa miséricorde, il te délivre aussi. Amen. Tu veux être délivré? Oui, papa. Touche ta tête. Je commande à ce démon de la sorcellerie, depuis Divo, ce démon dans sa vie, cet esprit de la sorcellerie, je t'ordonne par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas dégager de sa vie. Tu vas partir de sa vie au nom de Jésus. Paralysé, nous allons prier pour lui parce que c'est important qu'il expérimente aussi la puissance de Dieu. Amen. Je n'ai aucun miracle dans ma main, j'ai ma foi. Amen. Et c'est cette foi-là qui croit que Dieu, à distance, depuis la France, Dieu peut te guérir à nouveau. Amen. Voilà, c'est ma foi. Voilà, c'est ma foi. C'est ma foi. Alors que Dieu bénisse. Amen. Je demande à Marty Gwelen. Je suis là, papa. Tu fais à tout le temps, elle n'est plus sorcière. Dieu merci que ce que vous avez souhaité, la délivrance de votre famille en 2019, oui, en train de s'accomplir. Amen. Pas parce que Crasso veut. Parce que Dieu a voulu que ça se passe ici. Amen. Je remercie Dieu qui m'a utilisé. Sinon, il peut utiliser n'importe qui. Si vous voulez, tout le monde. C'est lui qui veut du moins, parce qu'il est souverain, pour vous délivrer. Je te rends toute la gloire de m'avoir utilisé simplement. Je ne suis rien. Je suis un simple ouvrier du Seigneur. Amen. Voilà, je ne suis rien.
Amen. Je rends gloire au Seigneur. C'est des choses auxquelles je ne m'attendais même pas. J'ai décidé comme ça de vous aider parce que j'avais un bout de temps. J'ai dit au pasteur que je devais prendre l'assemblée parce que j'ai vu le monde qui était là, n'est-ce pas, qui attendait une délivrance. Et donc j'ai organisé un temps pour prier pour vous. Alors j'ai béni le nom du Seigneur qui continuera, n'est-ce pas, ce qu'il a commencé, il continuera dans votre vie. Amen. Je vous conseille, ne laissez pas la main du Seigneur. Continuez à marcher avec Jésus. Amen. Si vous abandonnez la main du Seigneur, ne dit pas le prophète a prié pour moi et je n'ai rien vu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit voir. C'est une question de continuité. Oui. Alors, si vous continuez de marcher selon le Seigneur, aussi longtemps que vous marchez avec Dieu, Dieu continuera de vous protéger. Amen. Si vous abandonnez la voie du Seigneur, les esprits vont revenir et ça sera pire. Amen. Amen. Voilà. Amen. 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 Alors, respectez votre maman. Alors, elle vient d'être délivrée. Et puis, une mère reste une mère. Ben, elle avait un problème de sorcellerie, gloire à Dieu. La chose s'est produite. Continuez de l'honorer. Continuez de lui devoir du respect. On a besoin de la suite. Je sais que de tout mon cœur, par la grâce de Dieu, tu viendras rendre ton témoignage en descendant. Amen. 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 Je crois de tout mon cœur que les choses vont commencer à délivrer dans votre famille. Amen. Je crois de tout mon cœur que ton frère, qui est malade depuis un moment, va s'élever pour marcher. Parce que c'est Amen. Votre année. Amen. C'est votre année. Pas parce que je voulais, pas parce que Dieu entend. Alors, trop est trop, le Seigneur agit. Cette année 2019 est pour vous l'année de restauration, Amen. Une année de gloire, une Amen. Année de bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que, bénisse. Amen. Que le fardeau, tous vos problèmes, que tous vos fardeaux, que Jésus les résout. Amen. La puissance de Dieu restaure vos familles. Amen. La puissance de Dieu se manifeste dans vos familles. Amen. 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 Ça va? Oui, ça va, papa. Bonjour, comment tu t'appelles? Mon nom, c'est Sir Antoine. Je suis libérien 100%. Ah, tu es libérien 100%. Et oui, là, papa. Les enfants l'ont quitté là. Tu es libérien 100%. Oui, papa. Comment tu es venu au centre? Comment tu t'es retrouvé au centre? Bon, il y a une femme. Elle est venue et puis elle a dit mon nom, papa. Et puis ma petite soeur. Elle est venue au centre ici, c'est ça? Oui, oui, papa. Et puis elle a dit quel nom? Elle a dit mon nom, Sir Antoine. Oui. Qu'on travaille ensemble avec dans ce série. Donc quand elle m'a dit, ma petite soeur, Josephine, elle m'a appelé pour dire que non, la fille, on est venu pour aller libérer la fille. Elle a dit ton nom. Donc, viens, tu vas la parler. Si vraiment, si tu es un sorcier, parce que moi, je ne connais pas. Je veux que tu vas venir travailler, tu fais avec elle. Là, tu vas quitter dans cette situation parce que c'est toi seul, tes enfants avec ta maman. Mm-hmm. Donc, c'est là que je suis venu. Mais avant que je suis venu, elle a fini d'abord. Quand elle est partie, c'est là que je suis venu. Okay. Donc celle qui a dit que tu travailles avec elle avec oui. la sorcellerie, oui. la vie, elle a vu faire sa délivrance. Oh, oui, papa. Et puis elle a dit que toi, comment t'appelles? Sier Antoine, papa. Sier Antoine est dans la sorcellerie avec moi, c'est oui, ça? Oui, oui, papa. Et puis elle est partie déjà, c'est ça? Oui, oui, papa. Parce que le temps... Maintenant tu es venu. Hein? Et toi maintenant tu es venu, c'est ça? Oui, oui, papa. Et quand tu es venu... Tu reconnais ou pas? C'est ça, papa. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis sorcier, papa. Donc, tu es venu pour quoi? Pour libération. Pour te libérer? Oui, oui, papa. Parce que moi, je suis... Hein? Libérer de quoi? Pour par rapport à ce sorcier-là, je veux que ça a quitté sur moi parce que mon situation est trop... Oh, sur moi, mon avis, je ne comprends pas. Moi, avec mon femme, avec mon enfant. Je veux que... Tu as vu? Donc, tu es venu pour que toi, ta situation, que tes enfants se libèrent. Oui, papa. N'aient plus fait du mal. Oui, oui, papa. Je n'ai pas compris. Je suis venu parce que le socialiste qui est sur moi, la difficulté dans ma maison, avec mon femme, avec mon enfant.
Parce que tout ce qui je touche, ça ne mange pas. N'importe quoi où je... Ça, c'est chez toi, la maison. Oui. Est-ce que sorcellerie-là, ça ne gâte pas? Ça gâte, papa. Tu n'as jamais tué? Non, papa, je l'ai tué. Hein? Je l'ai tué. Il a déjà tué? Oui, il a tué, papa. Tu as tué? Oui, papa. Combien de personnes? Bon, papa, ce qui je connais, c'est 25. Tu as tué 25 personnes? Oui, papa. 25? Oui, papa, c'était au village. Hein? C'était au village à Libéria, c'est pas à Côte d'Ivoire. Parce que la personne. Tu as dit de venir à Divo? Non, papa. Tu es quitté où pour venir? Hein, papa? Tu es quitté où? Quitté où pour venir à Divo? Je suis quitté à Vidikana, Abidjan. Et tu es quelle ethnie? Bon, je suis Nanakuru. Nanakuru? Oui, oui, j'étais un pêcheur. Mais actuellement, j'ai pris pêche encore. Je suis un vigile pour être sécurité en paix, sécurité pro, à Vidikana. Donc, tu dis, tu as tué combien, Antoine? Bon, papa, c'est le 25, je le connais, papa. Hein? C'est 25, je le connais. Parce qu'il y a Zou, où je le connais pas. Et tu as détruit des gens, c'est ça? Oui, papa. Qu'est-ce que tu fais pour détruire les gens, la vie des gens? Tu fais comment? Bon, le premier, il a couché avec ma petite soeur dans la société. Hein? Il a couché avec ma petite soeur dans la société. Elle est où? Elle est à Abidjan là-bas. Mais elle est déjà quittée ici. Vous avez fait des enfants là-bas aussi? Non, papa. Et donc, toi, tu peux en faire un pas? Non, papa, c'est pas ce qu'il y a. Et puis après, il a gâté la vie, mon petit frère, on appelle Ouyato. Il a gâté son argent et il va venir en Soula. Hein? Mais lui, il est déjà quitté ici parce que sa femme qui était un sorcier, parce que c'est elle avec moi, on a fait. Donc, elle, lui-même, il est quitté ici. On a lavé lui. Et donc tu avais pris de sa femme, vous avez gâté son argent. Oui, papa. Comment tu fais? Bon, il a demandé l'argent avec lui. Et puis il a amené ça dans la sorcellerie là-bas. On a mis dans la Caraïbe. Et lui, il ne veut pas t'asseoir dans la maison. Quand il touche l'argent, il va venir à Souda. Il va aller payer poisson toujours. Il va rester dans la maquille. C'est comme ça. Il voit quoi, voilà. Non, Kenjus, Pierre. Kenjus aussi? Non, Kenjus là, il boit pas, c'est Pierre là, il boit. Son grand poisson, c'est Guinness. Oui, papa. Est-ce que vous là, c'est Kenjus, hein? Chez vous là, c'est Kenjus? Ouais, non, je sais ça, papa, c'est Kenjus. Et puis, qu'est-ce que tu as fait à Vidikana? À Vidikana, là, ce que j'ai fait, j'ai chié sur le fidèle dans l'église là-bas. Hein? Le fidèle. Le fidèle à l'église là-bas. Il dit le fidèle de l'église. Tu vas à l'église? Oui, papa. Je suis dans Ola. Tu es dans quoi? Je suis dans la Koura, à mon choir. Dans la chorale? Oui, papa. Tu connais pas BC? Chez toi, il n'y a pas BC? Bon, il y a BC, mais parce que c'est l'esprit qui m'a poussé. Non, il n'y a pas là-bas, chez toi. Papa, c'est pas ma faute, c'est l'esprit là qui est trop lourd sur moi, je peux pas le contrôler, c'est eux qui me contrôlent pour faire tout ce que j'ai fait. Attends, tu peux pas contrôler, tu fais diarrhée à l'église. C'est l'esprit qui me fait ça, papa, c'est malgré, c'est tout ça là aujourd'hui maintenant. Je suis venu pour faire la une couche. Quand tu vas à l'église, tu portes une couche. Oh, tu portes une couche quand tu vas, au lieu de faire diarrhée, tu portes une couche. Comme ça, tu peux pas diarrhée. Ça connaît ça, je suis venu ici, papa. Et il va me pardonner. Comment tu peux aller chier si les fidèles sont venus adorer le Seigneur?
Adorons le Seigneur. Et toi, tu fais garer les yeux. Ça aussi. Et puis ça sent un caca de sorcellerie. Vous savez, quand tu sors d'abord, la poisse sur toi. Tiens, poisse sur cas fatigué. Bon Dieu, même t'es tu gagnes pas. Hein? Quand tu chies, là, c'est pour quoi? C'est pour garder la fidèle à l'église là-bas. Il ne veut pas que l'église va avancer. Peut-être toi, tu t'amuses un peu de Dieu. Les gens vont à l'église et toi, tu chies. Oui, papa, c'est l'esprit qui me conduit. C'est pas là-bas où ils ont mis le pasteur dans l'église là? C'est là-bas. Vous savez, c'est l'autre église. C'est ça, papa. Allez, vous voyez. On dit pasteur, même des Danis, on les cherche, il est au fond là-bas. Elle a foncé le pasteur comme Kanimba. Beaucoup là-bas. Non, mais attends, qu'est-ce que vous voulez? Vous mettez pasteur dans Danis, vous faites diarrhée ici, les fidèles. Antoine, c'est toi où cherchez? Oui, papa. Yedi. Oui, papa. Il n'y a pas de blessé chez toi. Papa, il y a blessé. Ça, c'est à l'église de la Tichy, si tu t'es. C'est l'esprit qui me pousse pour faire ça, papa. C'est pas ma faute parce que moi, j'ai la moyenne. C'est l'esprit qui te pousse la Tichy là-bas, puis tu vas. Hein? C'est ça, je parle, c'est pas ma faute. Tu crois à la puissance de Jésus? Oui, papa. Pour revenir ici, là, je crois que Jésus est puissant. Parce que depuis que je suis venu ici. Ah, c'est là où tu vas par l'église, là. Hein? Oh. Il faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais la prière, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. 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 Je t'accepte. Il accepte. Je t'accepte. Accepte. Comme sauveur. Comme mon sauveur. Speak French, please. Ouais, et Seigneur. Et mon Seigneur, puis je suis à l'église. Oui, papa. Tu m'entends? Oui, papa. Comme tu réponds pas. Oui, papa. Mets ta main sur ta tête, je veux prier. Je prie que la puissance de ton esprit se manifeste dans la vie dans toi. Depuis Divo, je réclame une présence dans sa vie. Que ta gloire se manifeste. Et que l'esprit qui le poussait, n'est-ce pas, à la sorcellerie, soit vaincu aujourd'hui. Ce démon qui le contrôlait, qui le poussait à pratiquer la sorcellerie qui était dans sa vie, soit brisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je m'adresse à l'esprit de la sorcellerie dans la vie d'Antoine. Tu vas libérer sa vie pour que désormais qu'il devienne personne normale. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans la vie d'Antoine et je brise totalement ta présence. Je te chasse définitivement de sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne consumer dans la vie d'Antoine ta présence et sort. Que le feu consume tes œuvres, sort de la vie d'Antoine. Tu dégages maintenant.
Sors de sa vie. Sors au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Sors. Allez, dégage. 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 Allez, sors. Dégage. Voilà, dégage. Va-t'en. Dégage, 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 dégage. Dégage. Voilà. Libère-le. Libère-le au nom de Jésus. Tu le libères au nom de Jésus. Tu le libères au nom de Jésus. Allez, dégage. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te déloge maintenant. La puissance de Dieu te déloge. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Allez, tu vas. Va-t'en. Va-t'en. Dégage. 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 Totalement de sa vie. Allez, libère-le au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Tu libères sa vie. Sors. Sors de lui. Sors de lui. Quitte la vie. Voilà, sors. Quitte la vie dans toi. Lâche-le. Lâche-le. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Maintenant, le feu. Allez. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu détruit tes œuvres. La puissance de Dieu déloge ta présence. Il te chasse de son âme, de son esprit. Il te chasse au nom de Jésus de Nazareth. Dégage et libère-le. Sors de sa vie. Sors. Et aujourd'hui, tu pars. Aujourd'hui, tu pars. Maintenant. Maintenant. Maintenant même, tu dégages et tu quittes sa vie. Maintenant même, tu dégages et tu sors de sa vie. C'est un ordre. Va-t'en. Aucun démon ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. Sur cela, maintenant, je t'ordonne de partir et définitivement quitte sa vie. Va-t'en. Sors. 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 Voilà, va-t'en. Quitte sa vie. La puissance de Dieu te déloge. La puissance de Jésus te déloge. Cette puissance de Jésus-Christ te libère maintenant. Tu dégages de sa vie. Tu dégages de sa vie et tu le libères. Tu libères son âme. Tu pars. C'est un ordre. Tu pars au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Libère-le au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Allez, marche-le. Allez, libère-le. Le feu. Fire. In Jesus' name. Le feu te consume. Consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Libère-le. Ah là, libère-le. Libère-le, 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 libère-le. Libère au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, je détruis ton pouvoir. Tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir du fétichisme, tout pouvoir de d'envoûtement, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir d'envoûtement, tout pouvoir de la sorcellerie est brisé aujourd'hui de ta vie. Le démon, il part, il est délogé, il sort de ta vie, définitivement. Ce démon la sort de ta vie. Je brise le pouvoir des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus. Voilà tout ce qui est dans le nom de Jésus. Tu dégages et tu pars. Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche son âme. La puissance de Dieu. Lâche son âme. Dégage. Dégage, les amis. Voilà, dégage de sa vie. Tu le libères et définitivement par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu ne démonte pas. Pouvoir de la sorcellerie dans votre mort, tout esprit de la sorcellerie te libère. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous proclamons la puissance de Dieu sur ta vie. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ
Nous proclamons la victoire du Christ. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus sur ta vie. Nous proclamons la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, cette victoire du Christ qui libère ton âme, ton esprit, de toute présence de la sorcellerie. Je proclame la victoire du Christ. Seigneur, merci pour la délivrance et merci pour cette grâce que tu accordes à son âme. Au nom de Jésus, merci pour cette libération. Merci de te manifester dans la vie de toi. Merci pour ta miséricorde et merci pour cette grâce de libérer son âme et son esprit. Amen. Amen. You are free today in Jesus' name. Amen. Antoine. You are free in Jesus' name. Today, you are free. C'est fini. Amen. You are free. In Jesus' name, you are free. You are free. You are free. Aria Goroba, Aria Goroba. Now we are Goroba, now we are Ose. Thank you very much, Father, for what you have done for me. Let God be with you, and your protection should always be in the name of Jesus. Amen. The Lord should well protect you, and every day and night, you are sleeping, my living up. I will always give glory to Almighty God, and together with the pastor that I met here since I came, what he has done for me. My living up, I will always give him glory. And I ask, Lord, your ministry to advance and to produce and give more merit for things that will be totally. Thank you very much, Papa. Let God be with you. In the name of Jesus. Thank you. God bless you. Mettez la main sur la tête. La puissante main de Jésus. Seigneur, j'invoque ton saint nom. Tu sais un peu tout ce que tu connais le besoin de tous ceux qui sont actuellement ensemble. Et tu es celui-là qui est capable d'opérer le miracle. J'invoque ta puissante main et je prie de te manifester, de guérir ceux qui sont malades, de libérer tous ceux qui sont encore dans les chaînes des ténèbres. Je proclame ta puissante main sur leur vie et merci d'agir. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Que vous acceptez Christ comme sauveur et Seigneur personnel, que vous continuez de marcher avec lui, afin qu'il puisse davantage vous bénir, vous protéger. Que son nom soit béni par la grâce de Dieu. Voilà, moi je vais arrêter. Et le soir, je vais appeler le pasteur
pour prendre aussi d'autres personnes, échanger avec vous par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue de vous bénir. Dans le nom de Jésus. Merci, papa. Je vais faire avec vous. Shalom. Shalom. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On acclame Jésus plus fort, plus fort, plus fort, plus fort.